Une victoire bien méritée, je sais que certains d'entre vous vont crier what the fuck, mais regardez cette vidéo en entier pour tout comprendre. Banana. Je comprends. Dès que ça fait pas plus que 10 secondes, de toute façon, on peut toujours vérifier dans la rediffusion pour considérer certains kills comme penalty ou quoi. Avant d'arriver sur ce point, je pense qu'on devrait d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est vraiment le Clash of Fringe et pourquoi j'ai pris cette initiative. Le Clash of Fringe, ou Clash des francophones, est une compétition qui vise à réunir les top 1 TDM des pays francophones pour contester le titre du meilleur joueur TDM de toute la francophonie. J'ai pris cette initiative pour motiver la petite communauté francophone qu'il existe sur PUBG Mobile, sachant que de base, il n'existe aucune compétition officielle pour garder motivé les joueurs TDM, alors que être joueur TDM commence à devenir une spécialité à part entière sur PUBG Mobile. Si pour cette première édition je n'ai pas pu réunir plusieurs top 1 TDM francophones, c'est parce que je voulais voir est-ce qu'une telle idée vous intéresse vraiment. Mais à voir la quantité de personnes qui étaient sur mon live pour assister au match de MLS versus SoHi, je suis presque sûr que cela vous intéresse. Mais pour être totalement sûr, écrivez en commentaire la phrase suivante qui est « Nous voulons une deuxième édition ». Dans la deuxième édition, rassurez-vous, je vais réunir tous les joueurs top 1 des pays francophones et je vais mettre en place tous les efforts nécessaires pour essayer de trouver du sponsor afin d'offrir un cash prize compris entre 500 jusqu'à 1 000 €. Alors surtout, n'hésitez pas de liker cette vidéo et surtout d'écrire la phrase indiquée en commentaire afin de nous prouver que cela vous intéresse vraiment. Et si vous souhaitez sponsoriser cet événement, n'hésitez pas de me contacter via l'adresse email que vous trouverez en description de cette vidéo. Sinon, pour le match entre MLS et SoHi, c'est le plus beau match 1v1 que j'ai casté et en même temps assisté de toute ma carrière. Enfin, pour l'instant. D'ailleurs, si tu es fier des joueurs de ton pays, n'hésite pas de mettre le drapeau de ton pays en commentaire. On a SoHi qui est le top 1 TDM de la Polynésie française et MLS qui est le top 1 de l'île Maurice. Des joueurs qui n'ont jamais connu la défaite en tournoi, franchement c'était littéralement le choc des titans. Bien que dans toute compétition on doit avoir un perdant et un gagnant, mais dans cette situation je crois pas qu'on peut dire qu'on a eu un perdant. PFX SoHi a fièrement représenté son pays et de ce fait nous lui décernons ce certificat d'appréciation. Et oui SoHi, tu peux être fier de toi, tu t'es bien combattu, la Polynésie française est fière de toi. Je suis sûr que tu reviendras plus fort dans la prochaine édition quand nous reconnaissons que tu es un adversaire redoutable. La version PDF de ce certificat lui sera partagée en privé, comme ça s'il souhaite l'imprimer, il pourra le faire sans aucune difficulté. En ce qui concerne MLS, eh bien ce Mauricien, il a géré de ouf. Certains disent qu'il a campé, mais non, pas du tout. Il a juste joué intelligemment sur le timing, car il n'a pas passé plus de 10 secondes derrière le cover sans bouger ni montrer sa tête. Alors bien sûr, j'ai regardé la rediffusion pour surveiller les pénalités et il n'y en avait aucune. Alors, il n'y a pas débat, MLS a remporté le titre du meilleur joueur TDM de toute la francophonie. De ce fait, nous lui décernons ce certificat et 1940 UC comme prévu. J'avoue que 1940 UC c'est assez petit, mais bon, ce n'est que le début. La prochaine fois, il y aura bien plus à gagner. Mais rappelez-vous, pour offrir plus, il nous faut des sponsors. Et pour trouver des sponsors, il nous faut plus de personnes intéressées. Donc, like cette vidéo et écris en commentaire « Nous voulons une deuxième édition ». Ainsi, vous montrez votre intérêt pour le Clash of Fringe. Sur ce, c'était Gen Z. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !